Ok, bah, on a ressenti après la compétition. Globalement, je peux pas dire que je suis vraiment content de ce qui s'est passé parce que c'est vraiment pas ce que j'attendais, mais c'est ce qui était là le jour J, donc je fais avec et puis je fais en sorte d'être meilleur. Donc pour ce qui est du squat, bah, forcément c'était le mouvement où j'étais le moins dedans aujourd'hui. J'ai seulement rentré mon opener, donc du coup je finis 3ème, ce qui est vraiment pas du tout ce que j'attendais, mais voilà, encore une fois, comme je dis, on fait avec ce qu'on a et c'est à moi de revenir meilleur, de faire en sorte d'avoir quelque chose de constant et de pouvoir faire un total pour au final avoir ce qui est le but de mon sport, c'est-à-dire bah, gagner les médailles de premier rang. Pour le bench, honnêtement, je suis plutôt content parce que bah, j'ai toujours eu des problèmes avec le bench en compétition et je commence enfin à réussir à bien caler mon bench et à justement ce qu'il soit constant. Donc évidemment, j'ai que fait 2-12, je pense que j'avais un petit peu plus, mais le truc c'est que voilà, je loupe mon opener parce que tout simplement je lève les fesses. Donc c'est une erreur de ma part, c'est une erreur technique. Juste essayer de régler parce que j'avais tellement de grip au niveau des pieds que j'ai pu beaucoup plus agréable que d'habitude et donc du coup mes fesses sont montées. Donc ça, c'est à moi d'essayer de retrouver et de régler mon entraînement pour qu'il soit comme à la compétition. Donc voilà, globalement plutôt content du bench. Pour ce qui est du terre, honnêtement je suis plutôt content aussi parce que j'ai eu vraiment des gros problèmes avant la compétition. En fait, le truc c'est qu'en montant en poids, j'ai eu des problèmes en fait, de position au terre, ce qui fait que du coup j'ai eu des douleurs au niveau de la sacroiliaque et j'ai même pas pu faire de terre pendant 2 semaines avant ma compétition. Donc je suis plutôt content, ça fait un PR plus 5 de ce que j'ai fait en 105 2 ans. Et évidemment j'ai loupé le 3.40 mais j'avais fait 3.28, exactement la même chose l'année dernière à Kaunas ici aussi. Donc en gros voilà, je compte plus 12 si on compte les deux, on était à peu près de la même manière, c'est-à-dire no lift, donc évidemment en compétition on peut pas le faire. Donc voilà, globalement je peux pas dire que je suis content de ce que j'ai fait parce que bah, évidemment j'attendais plus comme tous les athlètes on vient ici forcément pour gagner. Donc ouais, mais j'ai donné ce que j'ai pu et j'ai essayé de revenir autant que je pouvais dans le match et finalement ça s'est mieux passé, en tout cas à la fin, que ce que je pensais que ça allait se passer. Donc voilà.